Bien que le film ne soit pas encore sorti en salle et qu'il n'ait pas été visionné, la décision a été prise en raison de la présence d'un personnage homosexuel. Dans le golf, l'homosexualité est officiellement illégale et les films qui y présentent des références ou évoquent des sujets LGBT tombent sous le coup de la censure. Dans le deuxième opus de Doctor Strange, les fans de super-héros découvriront America Chavez, une jeune adolescente lesbienne, incarnée par Xochitl Gomez. Ce personnage latino-américain, appelé dans les comics Miss Marvel, peut voler à grande vitesse et ouvrir des portails entre les dimensions. Ces dernières sont d'ailleurs au cœur de l'intrigue de Doctor Strange, durant lequel le magicien devra se rendre dans diverses réalités alternatives, déjà évoquées dans Spider-Man, No Way Home. Benedict Cumberbatch endossera de nouveau le costume de Doctor Strange. Il donnera la réplique à Elizabeth Olsen, qui joue la sorcière rouge, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor. Rachel McAdams et Michael Stuhlbarg. De nombreuses surprises sont attendues dans cette nouvelle production de Disney, comme celle dévoilée dans l'une des bandes-annonces. Avec la présence de Patrick Stewart qui campera le mythique professeur Xavier des X-Men. Le film doit sortir au cinéma le 6 mai prochain. Ce n'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite censure un film Marvel. En novembre 2021, le pays avait interdit « Eternal » de Chloé Zhao, en raison de la présence d'un super-héros gay. La monarchie islamique avait demandé à Disney d'apporter des modifications pour pouvoir le diffuser en salle, ce que l'entreprise a refusé. Thank you.